Emmanuel Macron, l'actuel chef d'État français, tente avec beaucoup d'énergie, depuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier, de rester un interlocuteur de premier plan de son homologue russe Vladimir Poutine. Selon une source proche du gouvernement français, interrogée par le journal L'Opinion, la position actuelle du chef d'État français ferait écho à un autre moment historique. Macron vit un peu son « moment Kennedy » lors de la crise des missiles de Cuba en 1962, a-t-elle expliqué. Pour rappel, cet épisode historique du début de la guerre froide a propulsé les deux blocs, États-Unis et URSS, au bord de la guerre nucléaire. Si Emmanuel Macron n'est pas, contrairement à l'ancien président John F. Kennedy, l'acteur majeur du conflit actuel, une question apparaît tout de même, pourquoi le président russe dialogue-t-il autant avec le locataire de l'Élysée ? Il est le seul que le président russe connaît depuis longtemps, 5 ans, justifie Tatiana Kastouv, agent de l'Institut français des relations internationales, toujours auprès de nos confrères de l'Opinion. Et cela compte dans les relations entre dirigeants. Pour Arnaud Dubien de l'Observatoire franco-russe, ce serait un choix par défaut pour le Kremlin. Joe Biden reste volontairement en retrait, Angela Merkel n'est plus là, Olaf Scholz vient juste d'arriver, explique-t-il avant d'ajouter, à Moscou, on considère que Macron sera réélu et qu'il restera un interlocuteur pour les 5 prochaines années. Si Emmanuel Macron multiplie les appels téléphoniques avec Vladimir Poutine, le chef d'État français semble se retrouver au centre d'un jeu diplomatique parfois délicat à cerner. L'Élysée reconnaît lui-même que ce n'est pas un dialogue facile avec cet ancien des services secrets russes.